La rencontre conjointe CTRI gouvernement du jour est l'une des ultimes étapes du processus d'élaboration et d'adoption de la nouvelle loi fondamentale de notre pays. Un rendez-vous de haute importance qui engage l'avenir du Gabon, de son essor vers la félicité, sous les auspices du président de la transition, le présent séminaire s'inscrit dans une dynamique qui a débuté par le comité national constitutif, l'étape de la constituante et ses amendements. Ce dernier examen des textes débouchera sur la finalisation du projet de constitution. Aussi, j'en appelle à la responsabilité de tous, autant que nous sommes, de mettre nos égos de côté. Ce qui devra compter pour nous aujourd'hui, c'est le peuple gabonais. C'est la volonté du peuple gabonais. Qu'est-ce que ce peuple nous a demandé au référendum? C'est ce que nous devons mettre en avant. Ce projet de loi fondamentale transcrit les aspirations du peuple gabonais à l'issue du dialogue national inclusif. Le présent document vient organiser la société dans le respect des principes de démocratie, d'état de droit, de justice sociale, entre autres. Après les amendements retenus au cours de ce séminaire conjoint CTRI gouvernement, ce projet de constitution sera adopté en Conseil de ministres avant de solliciter le peuple souverain au cours du prochain référendum.